Yo, c'est Senji, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Donc ça faisait un petit moment que j'avais plus fait de vidéo en mode Battle Royale. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va discuter un peu de la nouvelle saison, tranquillement. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, et à vous abonner. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc là on a atterri dans la ville où il y a le coffre-fort. Je pense que mon teammate voulait sûrement aller là-bas. On va déjà récupérer un shotgun ici. Il y a encore des gens qui sont en train d'atterrir. Bon, un deuxième shotgun, super. Ok, il tire, il se fight. Ah, c'était un bot, je pense. Hein. Ah, ok. Ah, à mon avis, ça doit... Oh, j'ai pris des dégâts. Soit. Ça va sûrement être un bot, ça. Hein. Parce qu'il a atterri aussi tard. C'est pas normal. Après, faut pas oublier qu'ici, t'as plein aussi de bots qui défendent le coffre-fort qui est en bas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tirs. Ça qui est ennuyant dans ces endroits, c'est que tu peux avoir l'impression qu'il y a beaucoup de monde, alors qu'en fait, pas vraiment, quoi. Il y a peut-être genre une autre team qui est là et qui se fight contre tous les bots. Ah. Ça doit sûrement être un bot aussi. Ah, ce shotgun-là, il est très bon, hein, surtout en zero build, mais je t'avoue que moi je l'aime pas trop. Mais il est très très bon. J'aime bien prendre celui qui est exotique, par contre. Celui qui est exotique, il est trop cheaté. En plus, il me semble qu'il y a un NPC qui la vend. Je sais plus dans quelle ville il est. C'est le voleur de cœur, c'est tout, je me rappelle. Oula! Oh non! Voilà, bon après je lui ai mis une balle, normalement. Ok, lui il me termine, il est trop con, bah, il va se faire tuer. Il l'a eu, je pense. Ouais, il l'a eu, bien joué. Terminator en action. En plus, il va pouvoir me reboot, hein, parce que. Il y a un camion pour reboot qui est pas loin du tout. Soit il peut me reboot tranquillement, normalement. Ah, quoique, il faudra faire gaffe parce qu'il y a peut-être l'équipier du gars qui l'a tué du coup. Super. Ah ben voilà, il y a un gars qui est là en plus. Ah, le temps que je drop. Oh non, il l'a tué. Il va le terminer. Allez, casse-toi. Oh là là, vraiment là. J'aurais pu le réel... enfin, l'aider directement, mais j'étais coincé encore parce que j'étais en train de... descendre. C'est pas grave, on va attendre un peu. Je vais heal et puis après on va le respawn juste ici. Ok, c'est bon. Je vais pouvoir le respawn maintenant. Ah, ça c'est excellent, je trouve. C'est très fun. C'est un tout nouvel item qu'ils ont rajouté cette saison. Donc ça peut te permettre de te déplacer et puis quand t'atterris tu peux mettre un peu de dégâts. Bon, tu mets pas beaucoup, hein. Tu peux mettre je pense jusqu'à 50. Mais bon, c'est surtout bon pour se déplacer. Ou alors voilà, si t'as quelqu'un qui campe derrière derrière une couverture, tu peux arriver sur lui comme ça. Mais je pense que ça doit surtout être meilleur en mode construction. Comme ça, si jamais t'as un gars qui se boxe, il est low, tu peux venir, tu fais tout casser. Parce que en mode sans construction, le problème c'est quand tu fais ça, tu vois, comme t'as un mouvement, tu vois, tu te déplaces tout droit, donc t'es très facile à traquer. Hein. S'ils ont une AR, surtout la nouvelle AR là, qui est très bien, bah, tu te fais traquer sans problème et donc tu peux te faire laser. Il faut quand même être prudent quand on l'utilise, bah, sinon c'est très très fun. Alors notre ami Terminator a voulu venir ici. Bon, on va déjà parler à Fishtick Dopé là. Terminator a décidé qu'il fallait retourner là-bas. On va y aller, parce qu'il faudra qu'on aille voir si le coffre-fort a été ouvert, je pense pas. Comme ça on pourra le voir, hein. Et récupérer les armes dedans, espérons qu'il y ait des bonnes armes. Parce qu'il y a certains mythiques aussi qui sont inutiles. Enfin pas inutiles mais qui sont vraiment pas bons, quoi. On va dire ça. Une arme qui est très stylée à avoir, c'est l'AR que The Foundation avait, The Rock là. Cette AR là, elle est beaucoup trop forte. En plus il n'y en a qu'une seule qui se pose. Donc si tu l'as, t'as un grand avantage. Hein. Non, franchement, j'aime trop cet endroit. On va descendre ici. Ok, une caméra là-bas. On va déjà la péter. Ah, il est passé avec son truc là. Du coup, il a activé le piège. Bon, après, avec ça, tu pètes tout. Mais genre là, les deux mythiques qui sont là, ils sont pas terribles. Hein. Bon, après, tu vois,
La grosse potion là c'est bien, mais c'est juste qu'en fait c'est très lent. Et donc, est-ce que tu auras vraiment le temps de l'utiliser? Je sais pas. Bon, après, c'est bien. Tandis que l'autre là, c'est quoi ça? Ah, c'est l'arme de Zig, ouais, ça, c'est vraiment pas terrible comme mythique du coup. Bon, après, ici, c'est pas le meilleur vault. T'en as un autre où là, t'as même trois armes qui spawnent. Ici, on a que deux, et franchement, on n'a pas vraiment été gâtés. Hein. Je sais pas si notre camarade, la Terminator, voudra prendre quelque chose. Moi, je t'avoue, y a rien qui m'intéresse. Ah bah, il me ping, donc il me laisse choisir, bon. Ah, écoute, je crois que je vais prendre celui-là. Hein. Parce que ça, là... Non, je vais juste prendre l'arme de Ziv ici. Hein. Écoute, c'est pas terrible, mais... C'est toujours ça. On va sûrement la drop, mais... On va la garder, elle est juste pour le fun. Et là, du coup, comme on a volé, maintenant, t'as tous les gardes qui arrivent. Après, en soi, on n'est pas obligé de les tuer, on peut se barrer, mais bon, alors, je sais pas, ils sont juste là. J'aime pas leur tête, donc on va les tuer. Bon, écoute, on va utiliser ça. Allez, hop. Voilà, c'est bon, on est sorti. Hop là. Il y en a encore un là-bas. Allez, ça dégage. Là, franchement, c'est des petits mini-jeux, entre guillemets, qu'ils ont rajoutés. C'est assez fun. Hein. Après, ça peut être relou quand t'as d'autres teams qui sont là. Vu que nous, ici, il n'y avait personne, ça va. Mais c'est sûr que maintenant, si t'avais d'autres joueurs qui étaient là, ça allait être ennuyant. Parce que ça allait te distraire, en fait. Parfois, t'es là, tu te dis, ah, c'est que des bots. Puis d'un coup, paf, t'as un vrai joueur qui apparaît. Là, par contre, cette musique-là, je t'avoue qu'elle saoule rapidement. Et bon, après, c'est pour nous mettre dans l'action. Là, c'est limite, on est dans un film, tu vois. N'empêche, il est stylé, hein, le skin Terminator. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de l'acheter. J'avais eu l'autre, la meuf, là. J'ai plus son... Sarah Connor, voilà. Sarah Connor aussi est stylé. Hein. Ah! Derrière nous, là. Ça nous a tiré dessus. On va aller droit sur lui. Ok. Alors, ça devait être un bot aussi, ça. Ah, il y a un autre joueur qui est juste là. Ah, Sasuke. Ah, c'est un bot aussi. On va le terminer avec l'arme de Zig. Allez. Oh! Il y a des ennemis là-bas. Ok, ça c'est fait. Oh! Il y a des ennemis qui arrivent encore. Le planeur. On va se positionner. Ils sont là-bas. Oh là. Ouh! Il s'est fait sniper là? On va le rusher. Oh non, je vais aller trop loin. Oh, je voulais atterrir sur le toit en fait. Tiens. On va raise notre camarade directement. Voilà. Parce que non, il mérite sa raise. Hein, parce qu'il a lâché un de ses snipes, frère. Ça nous a permis de push. C'est bon, ils avaient tout. En plus, ils avaient des couronnes. Écoute, on va la ramasser. Elle traîne par terre. Bien que moi, je vous avais vu les couronnes. Bon, je m'en fiche un peu. Enfin, c'était bien la première saison quand c'était arrivé. Mais le truc, c'est qu'à... Tu peux rien faire avec en fait. À part l'emote où tu flexes le nombre de victoires couronnées que t'as eu, mais à part ça, il n'y a aucun intérêt malheureusement. Oh, là il vient de prendre beaucoup de dégâts. Ah, je vais lui mettre quelques dégâts. Oh, on va se remettre à couvert. Je pense qu'il est derrière l'arbre. Donc la tempête arrive, donc il va falloir que j'avance. On va prendre ça juste au cas où il nous mette des dégâts pendant qu'on avance. Ok, maintenant il faut qu'on pète l'arbre. Voilà. Oh là là, mon aim là, elle était dégueulasse par contre. Bon écoute, on va y aller, on n'a pas le choix. Normalement le chat là, il doit avoir pris quand même des dégâts. Il est juste là. Hop, magnifique. On a bien aligné le shot pour pas le rater. Oh non, non, j'ai plus de balles. Oh là là, là je suis mort là. Oh là là, je suis mort, 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 je suis mort. Je suis mort. Oh.
J'ai de la chance, frère. J'ai de la chance. Ah, ok, là, mon pote, là, il vient de tuer quelqu'un, magnifique. Donc là, ils vont sûrement raise. On va essayer de voir si on peut les retuer. Ah, j'aurais dû sortir mon AR directement. Je sais pas pourquoi j'étais toujours sur mon shotgun. C'est bon, on l'a eu. Oh! Ah, de l'autre côté. Après, ils sont pas dans la zone. Il y a moyen qu'ils me récupèrent et qu'ils me raise. Oh, si, 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 c'est un bon. T'es un bon. De toute façon, ils vont devoir avancer maintenant. C'est ça. Nous, au moins, on avait l'avantage d'être bien positionné comparé à eux. Il n'a pas de tas de vie. Oh, magnifique, il a une slur. Oh, c'est un... Ah non, c'est un bon gars, lui. Maintenant, nous, en fait, on a qu'à aller attendre dans la zone. Hein. Vu que l'autre chat, là, il est quelque part devant nous, en bas. Nous, ici, on est bien. Et en plus, ils se fight là-bas, ben, c'est parfait. Du coup, ils vont arriver, ils auront plus de vie. Donc, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est aller les attendre. Hein. Ouais, parce qu'ils vont être dans la tempête, il va être l'eau. Ah, il est là, il est là. Bon. Et voilà. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Et on se reverra pour une prochaine vidéo. Bye.